Aujourd'hui et de manière solennelle, nous, Farouk Zoumarou et les militants, déclarons notre appartenance à l'Union progressiste. Ce choix se justifie par le fait que cette formation politique répond entièrement à nos aspirations. Notre ralliement à l'Union progressiste, qui désormais est une cause commune, n'est ni un hasard, ni une déception d'un bord ou de l'autre, mais une conviction que nous portons et dont la foi en Dieu est la seule boussole. Cette déclaration marque ainsi l'adhésion de ces jeunes au parti politique Union progressiste. Ils l'ont fait savoir au détour de cette cérémonie de ralliement organisée par les jeunes leaders de l'Union progressiste de Parakou ce samedi 26 mars 2022. Devant le roi Akpaki Gobi Nyesse, les sages, notables et têtes couronnées Abdoulaye Ousmane Traoré et Moustapha Orougankou ont accueilli ses adhérents et leurs militants dans la grande famille Baobab. Nous avons toujours dit qu'aucun parti politique ne battra plus l'Union progressiste à Parakou. Parce qu'on compte non seulement sur Dieu, mais aussi sur l'union des jeunes de la ville de Parakou. Je veux dire merci à ces jeunes qui ont compris que c'est au sein de l'UP que se trouve l'avenir et qui ont fait leurs différentes déclarations. Il n'est plus question de chercher à démontrer la suprématie de ce parti pour le temps à venir. Si tel est le cas, on ne peut plus s'interroger de ce que chaque jour nous enregistrons des adhésions. La ville de Parakou appartient désormais au parti politique Union progressiste. L'acte qui consacre cette union a été posé par ses jeunes leaders sous la bénédiction de Sa Majesté, roi de Parakou. Il y a encore de la place dans le parti Union progressiste, ont laissé entendre les jeunes leaders Ousmane Traoré et Moustapha Orougankou. Une manière pour eux d'inviter ceux qui hésitent encore à rejoindre le parti de la jeunesse. Il y a encore de la place, assez de la place dans l'Union progressiste. Tout ce que nous allons faire, c'est l'union, c'est l'unité, c'est l'entente. À partir de cet instant, nous disons à tous les jeunes de Parakou qui veulent progresser, n'attendez plus, le train est en marche. Petit à petit, comme l'oiseau qui fait son nid, le jeune dynamique Ousmane Traoré et les autres membres de cette formation politique à Parakou débauchent de grandes figures de la 8e circonscription électorale à la cause du parti Baobab. Ils emboîtent ainsi les pas de leurs aînés, en l'occurrence Saka Lafia et les autres figures de proue du parti progressiste.